place au mouvement ou... Même pas. Je me suis endormie devant la télévision avec 3 coussins derrière la tête. Mmh. Ben, je me suis réveillée, j'étais bloquée. Non mais c'est la C4. On est là, Adrien. Ouais. Je t'interroge après. C'est votre nouveau stagiaire? Non, c'est mon grand garçon. Ah. Il est en stage d'observation. Ah d'accord, pour reprendre le cabinet de papa alors. Et pas tout de suite. Hein. Enfin, si ça va mieux dans quelques temps, pourquoi pas. Vas-y, allonge-toi. Alors et toi, les études, qu'est-ce que ça donne? Dernière année. En esthétique, hein? Coiffure. Ah oui, coiffure. Alors c'est quoi, c'est la période d'examen, là, non? On a déjà commencé. Et ça va, les questions? Pas trop tirées par les cheveux? On s'entraîne sur des mannequins, alors. Ils sentent rien. Alors, tu fais toujours de l'équitation? Plus vraiment. Depuis ma chute, j'ai du mal à m'y remettre. Mais c'est vrai que ça t'avait valu quelques séances de rééducation. Hein. Ouais. Allez, vas-y, redresse-toi. Quelle horreur! Doucement. J'ai eu l'impression d'être piétinée par un train. Le pire, c'est que c'était un amour, ce cheval. Les gens de son fréquence ont dit que c'est parce que je lui donnais trop de viande rouge qu'il est devenu violent. Mais moi, j'y crois pas. C'est comme les gens qui disent qu'il faut pas donner de sucre à un chien parce qu'il va devenir aveugle. Mais bon, moi, mon chien, je lui donne du sucre tous les jours. Et il est mort à 17 ans. Et sa belle mort en plus, hein. Bon. On l'a piqué. Mais bon, quand on y pense bien, c'est une belle mort, hein. On sent rien, c'est rapide. Moi, je pense que ça ne dérangerait pas qu'on me pique. Bon, allez, on se détend. Respire à fond.